À partir de demain, fini les balades en t-shirt dans les parcs ou encore le farniente sur la pelouse. En effet, un courant d'air froid venu du nord de l'Atlantique va s'abattre sur la France pour quelques jours. Ces derniers jours, on a eu des températures dignes d'une fin mai, début juin. Donc le changement sera assez brutal, une perte d'une douzaine de degrés par endroit. Avec des températures autour des 12 degrés, la météo sera plus conforme à celle d'un mois d'avril. Et comme le dit le proverbe... En avril, ne te découvre pas d'un fil, c'est bien connu. On a très envie à Paris de profiter du soleil, quoi. Et du coup, on est vite dehors et on ne fait pas attention. Et il y a des sautes de température importantes. Et voilà. Et quand on n'a plus 20 ans, ma pauvre dame, ce qui est mon cas, et ben, on attrape la crève. Mais ne pas tomber malade, c'est aussi possible. Pour cela, voici les conseils de ce médecin généraliste. Le changement de température va agir sur le système donc, de circulation, surtout au niveau du visage. Pour ça qu'il faut protéger plus particulièrement le visage et le cou. Écoutez, couvrez-vous la tête avec un chapeau, un bonnet, et puis ressortez peut-être un petit peu aux affaires d'il y a 3 semaines. Attention, cette vague de froid entraînera même le retour de la pluie dans certaines régions et de la neige à basse altitude.